Salut les amis, c'est Willy et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on est de retour dans notre fabuleuse aventure sur Spider-Man Miles Morales. Et j'ai envie de vous dire les amis, un the party. L'Underground a pris le contrôle d'un panneau d'affichage. Ça vaudrait le coup d'aller voir. Et si vous le souhaitez, vous pouvez aussi vous abonner les amis. Wow. Allez, normalement on doit rejoindre notre copine, je sais plus comment elle s'appelle. Arrête de faire des galipettes. Hé, le molasson, là-haut. L'escalier de secours est plus qu'il était. Fais gaffe en montant. C'est pour ça que tu voulais me voir ici. J'ai failli partir, t'as mis des plombes. Viens m'aider, c'est coincé. La capsule a connu des jours meilleurs. Est-ce que tu te souviens du code? Ouais, c'est... Attends, c'est... Sérieux? Quand est-ce que vous allez retenir ce code? Je serai pas toujours là pour vous le donner. On se rappellera, on se rappellera. On se rappellera, ouais, ouais. Bon, alors, qu'est-ce que vous avez l'intention de mettre là-dedans? On peut rien te dire. C'est entre Miles et moi. D'accord, c'est ça. Gardez le secret, c'est plus sûr. Eric, tu penses que tu vas accepter ce boulot chez Roxxon? Pourquoi? Tu veux le prendre à ma place? Peut-être. J'attends de voir l'offre. Je vois, j'ai de la concurrence. Eh ben, c'est une bonne offre. Ils veulent que je dirige leur groupe énergie propre. Et vous me connaissez. L'énergie propre, ça sauve le monde. J'adore mon fan club de nerd. Oh, quand on parle du loup, c'est Roxxon. Je reviens. T'as bien retenu le code, hein? La suite de Fibonacci. Cool. Notre prix? Quand même, notre convertisseur d'énergie était épique. Grave. Tu crois qu'il est toujours exposé au Forum des Sciences? J'espère. Waouh. Regarde-nous. Les têtes de blaireaux. Eric a l'air trop cool à côté. Ouais. Il y a un problème avec lui? Vous vous êtes disputé? Non. Pas du tout. C'est bon, ça va. Pourquoi on s'est perdu de vue? Merde, je suis en retard. Je dois y aller. Hé, j'ai comme l'impression qu'on se cache tous les deux des choses. La prochaine fois qu'on se voit, on se dit tout. Ok? Ouais, peut-être. Si t'es à l'heure. Bon, bah, plus tard, Nabo. Je te signale que je suis plus grand que toi. Pas là-dedans. Ouais, au chaleur, moi. À la fin du collège, j'étais mitigé. Finn est allé à Midtown High. C'est tout? Eh ben, ça m'a fait plaisir de voir Finn. Je devrais retrouver les autres capsules qu'on avait cachées. Mais oh non. Ça peut attendre. Encore de la collecte. Je dois rentrer pour le meeting de maman. Ouais, on va aller voir maman. C'est le moment d'utiliser mon passé limité. Ok. Téléphone, check. Carte de métro, check. T'as pris la clé? C'est bon, je l'ai. Dépêche, on va être en retard. Hey, ah,
toi, je vais te mettre plein de neige dans ton costume. Au fait, tu le portes ton costume? Ouais, c'est juste au cas où. Mais tout ira bien. C'est ah, c'est la fête. Les marchés éphémères, la meilleure bouffe en ville et la super musique. Ouais, j'avoue que c'est pas mal. Je veux juste une gaufre, moi. Voilà notre carte avec l'adresse complète. Pas de cadeau. Pas de cadeau, moi. Qu'est-ce que tu penses de Rio Morales? Tu vas voter pour elle? Encore du mal à imaginer ma mère en figure politique. Je l'ai toujours connue comme enseignante. C'est les mêmes compétences, non? Regrouper des gens, les éduquer, faire... Attends, mon copain. Ça rend vachement bien. De rien. Oh. Désolé. Je devrais faire langage des signes avec toi le semestre prochain. Déjà que je maîtrise à peu près l'espagnol. Ah, si? Desde cuando? Deux pastelillos et un café comme une... Oh, chérie. Gloria, salut. Salut, Miles. Voici Steph, ma compagne. Une nouvelle bénévole au FIST. Ravie de te rencontrer. Je suis sûre qu'on se recroisera au refuge. Puisqu'on en parle... Aucune heure pour toi jusqu'à la fin des vacances. Si on n'a pas fermé d'ici là. Comment ça? Ah, t'inquiète pas pour ça. Profite du discours de ta mère. Je te rappelle à la rentrée. Il est mignon. Ouais, Bradzel, non merci, j'aime pas. On se prend un hot dog avant d'aller voir Rio. Tiens, tonton. Oh, Claron, je m'attendais pas à te voir ici. Je vais filer avant que ta mère me voie. C'est qui, lui? Mon ami Ganky. Il me file un coup de main pour mon projet d'araignée. Tu prends soin de mon neveu, d'accord? J'essaye, mais il me donne du fil à retordre. J'entends tout ce que vous dites. Amuse-toi bien au meeting de ta mère. Ouais, bisous tonton. Hé, hey, tu lui as dit? Il a compris tout ça. Je t'expliquerai quand on sera rentré. Maman, maman. Ouais. Bonne chance, Madame Morales. Merci, Tim. T'as vu? Roxanne a vraiment installé une surveillance permanente partout, hein? Ouais, c'est clair. Buenas noches, vecinos. Vous vous souvenez de ce que nous avons perdu quand les bulldozers ont rasé ce quartier? Eh, hey, est-ce que ça va? Ouais, c'est juste que la dernière fois qu'on a fait ça, mon père... Où l'on vendait les meilleures crèmes glacées de toute la ville. La garderie Junipero. T'inquiète pas, mon pote. Ta mère a plein de gens pour la protéger. L'église Sainte-Thérèse et sa chorale. On pouvait entendre dans toute la rue. Maintenant, t'es Spider-Man. Aujourd'hui, Roxxon fait transiter son carburant expérimental dans toute la ville. Mais il refuse de nous parler des risques. Ce message s'adresse à Roxxon. L'homme pour qui vous travaillez, Simon Krieger, est un meurtrier. Cette plaza est un hommage à tous les crimes qu'il a commis. Je ne la laisserai pas ouvrir. L'Underground l'empêchera. Problème ici. On est pas reculé. Garde son calme. Tu peux pas t'enfuir. Sortez vos armes. Ils ont besoin de toi. Je vais aider ta mère. Je suis là. Vas-y. On n'est jamais tranquille une minute, hein. Allez, qui veut se taper? Ce qui se passe dans cette ville, c'est mes affaires, d'accord? Y'en a marre, hein? Ratez ta grenade. Yo, le monsieur avec ses gros points, là. Bah, il est mort. Bah, lui. Ratez. Je t'ai eu. Je vous ai déjà
arrêter dans le métro. Ok, je t'ai défoncé ton violon. Oh. Miles, on a réussi à rentrer. Nadja emmène ta mère à l'hôpital. Quoi? Elle est blessée? Elle s'est fait mal au bras en tombant. Prends soin d'elle, ne t'inquiète pas. Eh, je t'ai vu, toi, hein, petit coquin. Je sais pas pourquoi ils ont attaqué. Je croyais qu'ils en avaient après l'uniforme. Mais y'en a pas sur place. Pourquoi je fais ce que petite erreur? Ok, je me connecte à l'analytique. Si jamais je peux aider. Toi, va-t'en. Eh, hey, Gangi, merci d'avoir aidé ma mère. De rien, mon pote. Bonjour, au revoir. T'as pas le timing, toi. Elles sont costauds quand même. Moi, je suis déjà au cas où. Oh, ah, bâtard, t'es sans doute. Viens là, toi. Je suis là. Raté. Où est-ce que la grosse boîte? Coup de carton par contre, il meurt. C'était quoi? C'est moi comme là. Miles, gracias a Dios. Où es-tu? Je suis à la maison. Mais je peux venir à l'hôpital. Non, tu restes à l'abri. Mais tu es blessé. Imagine qu'il t'arrive quelque chose pendant que tu es là. Oh, mais il s'est attrapé sur Paul. Non, faut monter en fait. Tout le monde va bien. Là. Entiendez? Je reviens bientôt. Et je te laisserai signer mon plâtre. Ok, mamie. Nos vamos en casa. Te quiero. Te quiero, señorita. Tout va bien? Essayez de vous appeler, ta mère et toi. Vous êtes où, là? Je me dirige vers le pont Braithwaite. Il y a eu une explosion. Ok. Mais si Roxxon se pointe, tu décampes, d'accord? Ils vont chercher des coupables après ce qui s'est passé. Et ils vont pas se contenter de Tinkerer. Ok. Je ferai attention. Ça m'inquiète, cette explosion. Je dois faire vite. Bah, je sais pas pourquoi j'ai des frissons. Boulélé. Roxxon Plaza, c'était qu'un avant-goût. Ou une diversion. On évite de se tirer dessus, ok? Faites l'amour, pas la guerre. C'est l'uniforme qu'on veut. Ignorez tout le reste. Débarrassez-vous de lui. Prenez tout ce que vous pouvez emporter. Bah là, pour durer longtemps, sa couverture, elle. Ouais, ouais, oh, oh, oh. Tu te calmes, hein. Miles, j'ai vu l'explosion. Est-ce que t'es blessé? Ça va, mais... Salut. Oh, mon Dieu. J'ai vu aujourd'hui. Seulement, j'avais fait le rapprochement. Ouais. Hey, c'est pas ta faute. Allez, faites péter les objets. J'ai été distrait. Bon, raté.
Quoi, qu'est-ce qu'il y a, toi? Le pont va s'effondrer. Faut que j'empêche ça. Oh, j'ai pas assez de portée. Donne-moi ton pistolet, toi. Oh. Arrêtez cette violence! Ça ne résout rien! Et boum, ta grenade! Démonter toi, ouais. Y a quand même monsieur. Il est parti en bas. Monsieur. Ah. Bonjour. Il est encore en bas. Hein. Monsieur. Bon, ça suffit, hein. Comment allez-vous? Mais non, mais j'appuie R1. Arrête. Mais non, mais faut tes clones. Oh non. Oh, bah je vous laisse tomber, vous, hein. Moi, tout le monde se mord. Je dois stabiliser. Ok. Faut que je leur trouve une plateforme. Et maintenant, on coupe tout. Mais non, mais faut pas là. Il m'obéit pas. Voilà, ici. Voilà. Oh, c'est une mythique, ça. Dépêchez-vous! C'est ma faute. Mes pouvoirs, je les fais exploser. Tout le monde va bien. Après l'explosion, le pont s'est mis à... On a le Spider-Man en visuel. On attend les ordres. Qu'est-ce qui se passe? J'en sais rien. Bien reçu. Non!
Je suis pas votre ennemi. Qu'est-ce que vous faites? Il nous a sauvés. Hé, hey, laissez-le tranquille. Je filme tout. On veut laissez-le tranquille. Range-moi ce téléphone. Tout de suite. Ne la touchez pas. Dégage. Dernier avertissement. Je les ai sauvés. Où il est? Il est passé où? Non. Il est tombé. Ils l'ont poussé. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Roxanne n'est pas censé être là pour nous. Ils allaient me tirer dessus. Ils m'ont même pas écouté. Est-ce que ça va? Je sais pas. Aujourd'hui, je reçois Simon Krieger pour parler de la destruction du pont Braithwaite. Écoutez, je n'ai absolument rien contre le nouveau Spider-Man, mais ça... Comment ça s'appelle? Bioélectricité. Tu veux un petit déj? Elle nous a quand même coûté du matériel de Roxanne. Et elle a détruit un pont. Roxanne, n'importe quoi. C'est pas ce qui s'est passé. C'est fine, Tinkerer. Elle a volé l'uniforme. On sait pas pourquoi. Et le pont a explosé à cause de moi. Non, c'est pas de ta faute. Je sors, je vais au QG de campagne. Vous voulez que je vous rapporte quelque chose? Je peux prendre du dulce de coco? Je croyais que t'arrêterais après hier. Pourquoi j'arrêterais? J'ai dit que je me battrais pour ma maison. Et je le ferai. T'aurais pu... te faire tuer. Notre famille n'abandonne pas. Tu le sais bien. Maman ? On veut bien du dulce de coco. Si... t'es d'accord? Je suis d'accord. Quand j'ai eu mes pouvoirs, j'ai cru que je pourrais régler tous les problèmes. Que je pourrais faire tout ce que Spider-Man faisait. Chaque fois que tu dis Spider-Man, c'est pour parler de l'autre. C'est toi, Spider-Man. Tu peux y arriver. À ta façon. Wouah, c'est incroyable. Je t'affonds dedans. Eh hey, mon pote, c'est tout part en vrille, on dirait, hein. Les gens ont besoin de notre araignée sympa du quartier plus que jamais. Faudrait trouver un nom plus court. Les meilleurs appuis sont en un mot. Pouf! Que d'émotion dans cet épisode. Miles,
enfin, on peut s'appeler. Oh, Peter. Oh, salut, Pete. Comment ça va? J'ai vu les infos. J'étais en Simcari, du coup... Donc, il y a une histoire de pont explosé ou de bagel décontaminé. Ce qui veut pas dire grand-chose, hors contexte. Enfin, bref, je regarde les vols. Je peux revenir dès demain soir. Non, surtout pas. Ça ira. J'ai trouvé qui étaient les responsables et je compte bien les arrêter. Je te le promets. Ok, je te fais confiance. Mais si t'as besoin d'aide, je saute dans le premier avion disponible. Sinon, on se revoit à mon retour dans 2 semaines, ok? Ouais, ok, merci. Et bon courage pour apprendre le simcarien. Oh, pourquoi ils ont 7 mots différents pour dire toilette? Eh bien, les amis, après un bon épisode, je pense qu'on va s'arrêter là. Vidéo un petit peu plus courte, pas de grand chose, un petit 5 minutes. Mais bon, on en reviendra avec du neuf. Voilà, voilà les amis, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Quant à nous, on se retrouve très prochainement. C'était Willy, je vous fais des bisous. Ciao, ciao tout le monde.